Donc oui, pour ceux qui sont pas au courant, hier j'ai découvert la map RPG Mine d'Or de Yannex. J'ai fait ma run de découverte que vous voyez en bas à gauche là ici. Donc on est parti, voilà, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, il y a aussi les modos qui sont au courant de ce qui se passe, donc c'est fine. Et mon objectif premier, ça va être de voir si je peux me souvenir de la map ou pas. Parce que du coup, donc je l'ai roulé hier, ça va être de voir qu'est-ce qui est encore clean dans ma mémoire ou pas. Bon, le start ça va, on va jump ici, je crois qu'il y a un bumper après qui t'amène sur une plateforme à gauche. Là j'ai plus trop en tête. Ah oui, il faut juste aller tout droit. Et ouais, backflip dans l'herbe. Into bumper là-haut. Ok. Ensuite on descend. Je vais tout énumérer, ça va m'aider dans la découverte. Là on va backflip à droite, into aller sur les cailloux. Voilà. Donc cailloux, cailloux, checkpoint. Ensuite là on va dans la mine. Une mine. Au bout de la mine, on va essayer d'aller, de jump légèrement à gauche pour là. Non, c'est du plastique. Non, c'est trop. J'ai trop le seum. Donc, ensuite ici, on va à droite. Là, on... Ah oui, merde. Ok, je viens de me souvenir. Là, on doit taper le wall et aller à gauche. Ensuite, on va là. Merde. Quoi ? Ah oui, non, c'était pas par là. Ok. Mais, attends. Ah oui, non, on fait demi-tour. Parce que là, on prend ça qui nous amène ici, on va à droite, c'est vrai. Avec ça. Ensuite, on fait ça. On passe là. Et là, l'objectif, c'est de jump entre. Voilà. Et d'aller tout droit. Oui. On passe entre les rails. J'avais oublié que le checkpoint était à droite. Ok. J'essaye de me souvenir de tout, mais ça va être chaud. Une fois ici... Ok, oui, donc ça, t'as une sorte de mini safe way à cet endroit-là. J'étais en mode, là, il y a un truc qui m'inquiète. Et ensuite, faut aller là-bas. Très bien. Voilà. Donc, on jump là-dedans. Et donc là, je sais que on a jump ici, into barrel tuyau, into glider. On ressort là-dedans, on a le checkpoint. Super. Là, on est dans l'eau. On va passer à gauche. On a les deux rails à cet endroit-là, mais on peut quand même un peu all-in là-dessus. Et ensuite, on remonte, on sort. Là, on va prendre le booster. 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 Quarter. Booster. Booster. Quarter. Booster. Ok, on va aller là-dessus. Là, on fait demi-tour. Mon stream aujourd'hui, c'est un livre audio, exactement. Et roof it, roof it. Ensuite, on va à gauche. On jump à gauche. On rejump à gauche, into à droite. Là, on va tout droit. On léger grass slide là-dessus. On prend le booster pour aller là-dessus. Et là, faut aller tout droit. Checkpoint numéro 11. Très bien. Oh, c'est vrai. Mon dieu, j'avais oublié. Ensuite, on va là. On va là. Et on va là-haut. On va à droite. Là, je suis dans le flou. Et c'était à gauche directement. Ok. J'avoue que là, je me souvenais plus trop de ce qu'il fallait que je fasse entre hier et aujourd'hui. Le stream sera... on fera une édition de... Une édition livre sur Audible de ce stream. Ne vous inquiétez pas. Là... Ah oui, il fallait jump à droite. Je le savais. À droite pour ensuite drift à gauche, et là une fois qu'on est en bas on va à droite pour aller sauter ici avec les chariots de la mine. Ensuite on peut pré-drift GS pour aller tout droit. Ah oui, et là c'est juste un tout petit jump qui nous amène sur un demi-tour ici. Ensuite, gauche.
droite, on va aller là-haut. Là, je sais plus exactement où est-ce qu'il faut aller. Ah oui, à droite, sur cette rambarde ici, en bas, et ensuite on a un jump à droite qui nous amène sur le checkpoint numéro 15. Ah, oui, exact. Ça, c'est un peu plus technique ici. Faut jump, ok, j'ai failli, mais c'est pas très grave. On va prendre cette gate-là pour ensuite aller là-haut. Et là, on veut aller sur la plateforme à droite qui nous amène dans cette zone un peu violette. On va prendre ça, checkpoint. Ensuite, après le checkpoint, on va à droite. Bon, là, je vous lis plus du tout, hein. Vous l'avez compris. Pour aller ensuite à gauche ici, clipper ça, passer au milieu au niveau de la sorte de lave, aller tout droit. Et là, biom. Magnifique. Ok, oui, c'est vrai. C'est bon, je me souviens de ça. Ah ouais, ça va amener sur toute la salle que je connais déjà et tout. Ok, donc ça, c'est très bien. On arrive ici. Donc là, on va jump à droite. Into, là. Et ensuite, à gauche. Mais là, avec mon drift pourri, je pense que c'est chaud. Voilà, 18. Ensuite, on va à gauche. Encore à gauche. On a pour tous les bords. Bon, il y avait une rampe et je l'ai pas prise, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Je pense qu'on va pas aller... on va pas trouver d'autres excuses. Je ne vois pas pourquoi. Le con. Ok, on va aller à droite. Bon, ensuite, elle est là. 19. Drop down. Gauche. Into. Droite. Into. Donc, en face. Parfait. Là, on a la légère rampe qui nous amène là-dessus. Pour avoir ça ici. Pour avoir ça là. J'avais vu Excandir. Non ! J'ai fail. Nice. Nanana. Le pilote en apnée, bien sûr. En vrai, par contre, je vais un peu casser l'ambiance dans mon chat, mais je veux bien que mon chat ne soit pas nécessairement la Q&A Nadeo qu'on retrouve sur Twitter depuis... Depuis quelques jours. J'ai moi-même parlé déjà de plein de sujets, etc. etc. Mais si on peut éviter, ça m'irait bien. Si on peut éviter, ça m'irait bien. Alors, donc là, c'est la room maudite. Pour aller là. Pour aller là, on va aller jump là-dessus pour aller rejoindre justement toute cette zone très verte. Il fallait jump bien à gauche, non, et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dans le respect. Ça aurait été géré par les modos, mais c'est dans le respect et tout, mais je pense aussi que ça a pas grand-chose à faire dans mon chat non plus, quoi. Oh, le funny, qu'est-ce qu'il fait là? OMG, le funny. Tu viens jouer la snowcar ou quoi? C'est pour toi, mec. C'est juste pour toi, hein. Non. Non. Ok, je vais tout droit. C'est bon. Donc là, on va en face. Le backflip. Je vois que j'ai pas assez de speed visiblement. Donc peut-être voilà, prendre ça comme ça. Et ensuite, on veut aller là-haut. Ok, pour atteindre ça. Magnifique. Into droite. Into tuyau. On remonte là-dessus. Super. Ah, j'avais... Ça, j'ai oublié, ouais. Ça, c'est le genre de subtilité où, en fait, dans ma tête,
J'avais pas la vision sur la suite. Donc forcément ça risquait pas d'aller. Parfait. Là on se souvient, on se fait pas bait, que c'est directement à droite là. Nice. Je me suis pas fait bait. Into en bas, into là-haut. Là on va là-bas. Ah oui, demi-tour. Into backflip. Sur nous-mêmes. Into. Non, je... Ah, j'ai release. Putain, ça a passé. J'essaye de faire la deuxième run la plus clean possible, mais j'y arrive pas trop. Franchement, je pense vraiment que si je l'avais fait juste après ma découverte, j'aurais probablement fail aucun checkpoint. Mais là, il y a quelques trucs que j'ai pas en tête. Donc là, on jump à gauche dans le tuyau. Oh, je me suis souvenu de ça, je sais pas comment. Alors là... Alors là, par contre, je me suis souvenu de ça, je ne sais pas comment. Donc là, on va jump là-dedans pour aller là, pour aller ici. On vient catch ça pour aller là-haut. Ouais. Là, on longe ça exactement comme ça, tout droit. J'ai trop de speed. Voilà, j'aurais jamais la speed, je pense. Ok, en plus, faut que j'aille à gauche pour... Ah, j'ai fail. Ok. Ok, donc là, on va là. On utilise ça pour barrer et se remettre droit. Magnifique. Je passe à droite parce que pourquoi pas. On va ici. On va là. Ensuite, on tourne droite. On fait le jump reset. Ok. Je me souvenais qu'il fallait que je fasse ça, mais... Comment ça, je suis stuck, là? Pas grosse, funny. En fait, ce qui est marrant, c'est que... On est à un moment du RPG sur Trackmania... Où on a... Pas mal de mappeurs très talentueux... Mais il y a globalement pas grand monde qui joue les maps RPG. Ce qui est... Pas très logique. Parce que pendant très longtemps, on a fait que d'attendre des maps... Et on en avait jamais parce qu'il y avait pas de mappeurs de dispo. Et là, maintenant, les mappeurs sont là. Mais les gens s'en foutent un peu, quoi. En gros. Ouais, 14 minutes. Faut faire très, très attention avec ça. Et je sais pas pourquoi j'ai beaucoup trop de mal avec ce virage à droite, là. Bon. Ok. En fait, ouais, le start, c'est mon plus gros ennemi, hein. Genre ouais, ça me slow de fou. Sub 9 minutes avant 16h30. Je sais même pas quelle heure il est. 16h13. Ok, va falloir... Il va falloir être efficace. Il y a deux chances. Ouais. Mais après... La prédit, elle a pas tort dans le sens où je connais globalement toute la map. Donc maintenant, c'est juste faut aligner une run, quoi. Ok, c'était vraiment pas bien, mais vas-y, c'est fine.
Ok. Voilà, très bien. Ok, roof it, ensuite faut jump à gauche, into droite, into aller en bas, tout droit, là on va se mettre légèrement à droite, magnifique, jump caillou de gauche, into full droite, gauche, jump à droite, drift gauche, là on jump en bas, je peux faire un léger drift ici, je suis en mode rallye là. Drift gauche, léger drift droit, grass slide droit, tout droit, gauche, drift gauche, léger jump droit, ok, ensuite gauche, up, jump droite, il y a bar, ouais, on descend en bas, on fait le jump, ensuite là c'est la section que j'oublie beaucoup. Donc maintenant je l'ai. Non putain. Bien sûr que j'ai touché hein. Oh bah j'ai release une seule seconde. Voilà. Perdu toute ma speed, je sais pas. Fait chier, j'avais vraiment une très bonne run là. Enfin j'avais un excellent start. Mais là, ces trois fails là. Ouais, j'avais 7 secondes d'avance, j'ai 6 secondes de retard. Je vais quand même continuer, je pense. On va là. Grip ça. On va tout droit. Donc ensuite, on va backflip. Là, il faut monter à gauche. Oh bah oui. Into, drift à droite. Et... j'aime pas trop ce que j'ai fait. Je pense que ça se rattrape, mais ce sera pas un très bon PB. Ce sera juste ok. Faut vraiment que je fasse zéro erreur jusqu'à la fin par contre. Surtout ici. J'aime plein. Coucou Miss Dilemma, comment ça va? Donc là, ouais, j'ai récupéré une seconde. Enfin, j'ai récupéré beaucoup plus que ça, bien sûr. J'ai même pas eu le temps de voir le message. Ça avait juste l'air pourri. Donc là, tout droit, quarter gauche. Oh, c'était clean. Into. On va là-haut. Barrel. Des frissons bœufs de cringe. Oh. Ah, pour le transfert, il était beau, hein. En vrai, il était beau. Des frissons de cringe. Vous connaissez le chat ?
Moi, je connais très très bien les frissons de cringe. J'ai release deux inputs. Je pense que c'est worse. Parce que moi je fais partie de ces gens qui ont beaucoup 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 de mal avec les situations malaisantes. Mais juste à les regarder, ça me cringeasse. Il y a des gens, ils sont full popcorn devant, ça les fait rire. Moi ça me cringe tellement que juste j'arrête de regarder le truc en question. J'ai touché sur le côté, ça me casse les couilles sur cet endroit. J'ai touché sur le côté, là. Putain. J'ai toujours des problèmes sur ce passage. Alors là, je pense que c'est mort, hein, en vrai. Je pense que c'est mort. Enfin, je sais pas trop où est-ce que je suis PB. Où est-ce que je peux B veut dire où est-ce que je peux prendre du temps quoi. Là on arrive à la fin. Hein. Je me demande si j'avais pas fail ça, mais je crois pas. Je suis tombé vraiment pile dans l'inclinaison du truc. J'ai arrêté plein de séries à cause de ça. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi de... J'ai vraiment très peu de vitesse à cet endroit-là à chaque fois. Je sais pas si c'est normal. Tu vois, là, je suis à peine passé. Ouais, je release trop ici. Vraiment, là. Ah, mais oui, j'avais fail à cet endroit, non ? Oui, au finish. Il me semble. Enfin, j'ai fail une fois. Donc, est-ce que je me bats quand même? 48, 49. Point 4. Ça me donne presque envie de la hunt. Bah, elle est très agréable à hunt. Hein. Il a vraiment bien mappé pour qu'elle soit justement une map à hunt. Donc, c'est cool.